Je me présente, je m'appelle Charlemagne Cormier. Je suis la conservatrice au Musée acadien de l'Université de Moncton. On a eu la chance de participer au programme de REORG dans la partie atlantique. L'exercice pour nous a été vraiment de regarder à nos textiles, une section qui avait été négligée pendant plusieurs années. On a voulu mettre de l'avant principalement les couvertures et les tapis pour intégrer un nouveau système de rayons qui pouvait justement mieux les ranger pour la conservation à long terme. Le système, dans le fond, est très économique. Ce sont des accessoires, la quincaillerie qu'on a acheté justement dans les magasins de la région. On a été avec un système très simple et c'est parce que notre technicienne, Angèle Cormier, était très connaissante. Donc, elle a réussi à, avec les informations reçues du programme de réorganisation, donc de REORG, de trouver une solution qui était économique pour nous. Évidemment, quand on prépare le tapis, ça prend toujours un peu de temps pour s'installer, pour s'assurer qu'on a les équipements nécessaires proche de nous, on a nos gants, mais aussi qu'on peut bien calculer. Il peut arriver plusieurs fois qu'on a réroulé le tapis si l'exercice n'est pas concluant la première fois. Donc, on s'installe. Il faut éviter le plus de plis possible, autant sur le papier que sur ton tapis. Donc, prendre le temps de bien installer vaut la peine, ça sauve du temps par la suite. Très économique, un carton enroulé d'une protection, donc une petite plastique ici, un genre de mylar, qui fait que c'est économique et très bien protégé. Mais j'aime beaucoup placer une version du papier sur mon petit carton quand même. Quand les tapis sont pas tellement grands, c'est facile de les déplacer. Plus grand, les pièces seront une personne ou deux, est l'idéal. Donc, on s'assure que les plis sont bien faits. Ça prend toujours un rouleau à partir et on prend son temps. Évidemment, ici, la pièce est très épaisse. Donc, c'est quand même un tapis d'une épaisseur. Et on peut le remarquer dès le départ hein, que je sens ici qu'il y a une pression. Quand je vais me rapprocher, je vais ajouter des petites pièces pour le. Et que je vais aller me chercher des petites pièces pour renforcer ma structure. Tout semble aller bien. Et je rapproche la pièce de moi. L'idéal, ce serait que je m'allonge le plus long possible. Je suis très satisfaite du résultat. Donc là, on va l'attacher avec des cordes de coton pour ensuite le déplacer vers notre système. L'exercice est d'attacher, mais ne pas trop mettre de pression, évidemment, pour que ton petit corde fasse une indentation dans le tapis. Et aux extrémités. La dernière étape, identifier notre tapis. Donc avec une prise de photo, une photo ici, seulement à l'imprimante, facile, en couleur, avec le numéro d'acquisition en gros numéro. Et on l'attache aussi aux extrémités pour pouvoir le déplacer et bien le lire sur les rayons. On a un système de vis. Mon tube est déjà prêt. Installé, assez simple à glisser. Comme c'est un petit tapis, je peux le faire simplement et seul. Un plus grand tapis pourrait demander de l'aide d'une deuxième personne. Et on réinstalle. Vous remarquerez aussi probablement que le système et pour le futur, donc on a voulu viser les futures couvertures piquées ou encore les tapis qui rentraient dans la collection du Musée acadien de l'Université de Moncton. Et c'est pour ça que le système va un peu plus haut. Il y a aussi des systèmes qui ont une couverture et parfois on a aussi doublé les couvertures. Donc pour des raisons économiques, mais aussi parce que parfois les couvertures et les tapis étaient tellement petits. Il était préférable d'enrouler deux. L'exercice est le même, mais il faut quand même prendre le temps de s'assurer que chaque tapis est bien protégé et qu'il n'y a pas de plis qui s'ajoutent.
Donc, il y avait peut-être un exercice en temps, mais ça se complétait quand même assez bien. Donc, sur l'étagère ici, donc, hein, on peut voir les deux systèmes qui ont été utilisés. C'est sûr qu'on a acheté aussi beaucoup de matériaux. Ces matériaux-là, on les a utilisés à bon essor, mais aussi on a utilisé des trucs très faciles. Donc, d'acheter un petit coton assez économique au magasin, puis ensuite de faire nous-mêmes nos lanières au lieu d'acheter des lanières pré-fabriquées. Donc, on a essayé d'utiliser des moyens maison, mais on a aussi été vers des moyens où on a quand même réussi à acheter, entre autres, du papier tissu qui était fort utile.